Eh bien, plop tout le monde ici, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le métier de bûcheron du niveau 50 à 100. On a passé ce cap là, et donc c'est pour ça que je vais m'attaquer aux autres métiers. Et donc on y va, niveau 50, si vous vous souvenez bien, et je vous invite à aller voir la vidéo. On avait conseillé la dernière fois de ramasser tous les bois possibles, hein, vous ramassez absolument tout, que ce soit le chêne, le chêne c'est après, que ce soit le frêne, le châtaignier, le noyer, vous ramassez tout. Vous ramassez tout, et surtout en fait du niveau 50 à 60, bah, c'est le noyer. Et également, comment il s'appelle déjà, voilà. Une fois que vous avez une grande quantité de noyer, normalement du niveau 40 à 50 ça devrait suffire. Niveau 50, vous craftez avec tout vos bois restants des planches à griller. Et normalement, si vous avez bien farmé, vous devriez monter niveau 50. Sinon, complétez un petit peu avec du noyer et continuez à choper tout le noyer, tout le châtaignier, tout le frêne que vous trouvez. Vous voici donc niveau 60 de bûcheron. Vous avez un nouveau bois assez intéressant qui est le chêne. Le chêne qui n'est pas très... qu'on chope pas à beaucoup d'endroits. On chope au même endroit que le noyer, c'est-à-dire surtout dans la zone des gelées. Hop, je me suis dit qu'au lieu de mettre des positions partout, j'allais utiliser un site qui s'appelle Dofus Map. Je sais pas si ça a été créé par le même Dofus Map des chasses au trésor ou pas. Je sais pas. Puisque le site avait été fermé, puisqu'il n'était pas vraiment légal. Et en fait, hop, j'ai mis le chêne en rouge clair, et donc on voit ici qu'il y en a beaucoup, c'est là que j'ai surtout farmé. Et à la place de l'olivier, hop, on va mettre autre chose, on va mettre, comment il s'appelle, le noyer. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a également beaucoup de noyer, beaucoup de frênes, beaucoup de châtaigniers, donc c'est extrêmement pratique comme endroit pour farmer les 4 bois à la fois. C'est c'est mon coin préféré. Il y a aussi un autre coin qui m'avait assez plu, c'était le coin de Litned. Le souci avec le bois de Litned, en fait, c'est que ça agresse. Donc il faut faire attention, essayer de pas trop se faire choper. Éventuellement, vous pouvez partir à cette zone. J'y étais allé un petit peu, mais c'est pas terrible. Il y a le bois des Arcailles autour. Cette zone, il n'y a pas assez de bois. Ça vaut pas le coup, réellement. Ça vaut pas le coup, il n'y a pas assez de bois et ça grouille beaucoup. Donc voilà. Et donc, vous farmez ce chêne pendant 10 niveaux. Hein, comme à chaque fois, vous farmez pendant 10 niveaux. Mais vous arrivez niveau 70 et vous ne faites pas les planches. Cette fois-ci, vous ne faites pas les planches. Les planches ne servent à rien. Non, vous allez faire un autre bois qui est le bambou. Alors le bambou, je ne l'ai pas du tout ajouté là-dedans. Donc, hop, on va le mettre bambou. Voilà. C'est enfoncé. Le bambou, je ne sais plus où je l'avais chopé. Voilà, c'était là. Oui, c'est niveau de 70. Ah, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Donc le bambou, en fait, c'est un petit peu plus chiant à choper. Mais ce sera pratique plus tard. Surtout, vous allez en avoir beaucoup besoin. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais aux Alpes Coliseum ici. Et je faisais tout le tour. Hop, tout ça. Je le faisais d'un coup. Et ensuite, ce que je faisais généralement, c'est que j'allais farm les autres bois. En attendant, dans d'autres spots. Et réellement, en fait, il n'y a pas d'autre spot intéressant que celui-ci. Là, vous faites bien tout le chemin. C'est assez simple à faire. Il y a le spot, en fait, chez les truches. Mais je ne l'ai pas trouvé très terrible. Vraiment terrible. Le spot chez les truches, il en manque. Il n'y en a pas tellement. La zone est un peu chiante parce que il y a des endroits où tu peux pas passer. Tout ça, c'est un peu chiant. Et il n'y a pas d'autre endroit vraiment où il y a du bambou. Il y en a là, mais il n'y a que dalle, quoi. Vous pouvez vous amuser à y aller. Non, ce que je vous conseille, c'est de faire ça et de faire en même temps un petit peu de farm de chêne à côté, farm de noyer. Voilà, ce que vous faites ça et vous retournez ici et vous chopez le chêne, le noyer, le bambou, le frêne, le châtaignier, vous chopez tout. Voilà. Et donc, comme ça, vous montez niveau 80 et vous débloquez un autre bois qui est... Hop, on va désactiver les autres, c'est un peu chiant. Qui est l'érable. Alors l'érable, c'est un peu, encore une fois, c'est du même genre. Ça commence à devenir pas mal les bois dans ce genre-là. L'érable, le spot intéressant, c'est le territoire de Porco. Il n'y a pas d'agression, c'est plutôt facile, c'est assez petit, il y en a pas mal. Donc voilà, vous faites tout le tour.
Et une fois que vous avez tout fait, vous retournez ici, vous retournez là. Et voilà, vous farmez à nouveau le bambou, le noyer, le chêne, le fraté, tout ce que vous voulez. Vous farmez tout. Si vraiment vous voulez beaucoup d'érables, il y en a encore une fois à Litned. Vous en profitez pour ramasser tout le bois que vous pouvez à Litned. Hein. Surtout, tout ramasser à chaque fois. Quoique, à ce moment-là, il me semble que... parce qu'on va se lancer à nouveau dans une... niveau 85, voilà, dans la planche à repasser. Voilà, vous pouvez oublier quand même le noyer... Non, pas le noyer, le frêne et le châtaignier, vous pouvez l'oublier. C'est plus important, il me semble que ça donne plus vraiment assez d'XP. Mais je vous conseille quand même de le récupérer, ça fait toujours des kamas. Ou si vous avez besoin de craft plus tard pour divers métiers de craft. Genre forgeron, sculpteur, tout ça. Non, mais je m'en fiche de cette carte, moi. Donc, vous allez farmer l'érable ici, jusqu'au niveau 85 environ. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'érable, hein. Vous inquiétez pas. Et vous craftez les planches à repasser. Donc, les planches à repasser, hop, on va y aller. Hop. Bah non, je vous ai déjà montré. Donc, vous craftez des planches à repasser pour monter au niveau 90. Et niveau 90, vous débloquez encore une fois un nouvel arbre. Ça, c'est sympa qu'on débloque beaucoup d'arbres à ce niveau-là. Vers ces niveaux-là, voilà, il y a un arbre niveau 70, il y a un arbre niveau 90. C'est assez sympa. Ça change des trucs habituels. 80, 70. Oui, c'est ça. 90, 100. Et vous débloquez en fait l'olivier. Et l'olivier, hop, c'est pareil. C'est encore du même genre. Ce sera toujours du même genre, je pense. Je suis pas allé en fait plus loin que l'olivier. Alors, l'olivier, il y en a beaucoup en fait dans cette partie. Voilà, nord-est Brakmar. Mais ici, c'est vraiment chiant. Il y en a beaucoup, certes. Il y en a vraiment beaucoup. Ça peut être intéressant si jamais vous faites que de l'olivier, si vous avez besoin d'olivier pour je ne sais quelle raison. Mais ce que je vous conseille, en fait, c'est de prendre le zap qui est là, d'aller ici, de prendre tout ça, éventuellement aller prendre quelques-uns autour. Et encore une fois, de retourner farmer le bambou, de retourner farmer l'érable, tout ça tranquillement. Et ainsi, vous montez niveau 100. Et vous aurez une assez grande réserve de bois, ainsi, pour faire la planche de toilette plus tard avec le bois d'if. Mais le bois d'if, ce sera dans la prochaine vidéo, puisque j'ai absolument pas traité le bois d'if. Hein. Je suis que niveau 100, moi. Je sais pas du tout comment ça se traite le bois d'if. Hein. Je sais pas comment ça se coupe. Bref, sur ce, cette vidéo a été un petit peu courte, moi ça me plaît, enfin, quoique un peu longue dans certains cas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des trucs, que ça va vous conseiller sur comment faire, où aller, les petits conseils, tout ça. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire depuis que j'ai commencé les tutos de métier il y a longtemps, avec les anciennes versions. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vert, bleu, vous abonner si vous voulez. Hein, j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent les tutos métiers, généralement, ils sont pas abonnés. Alors, vous pouvez vous abonner, il y aura d'autres tutos du genre. Hein. Je fais de la quête et je fais quête métier, des trucs plus ou moins roleplay, généralement. Puis parfois d'autres trucs, parfois des petits donjons avec des copains, tout ça. Bon, c'est vraiment la quête du métier, enfin du tuto métier, quoi. Du tuto dragodin, aussi, parfois, ça arrive. Voilà. Donc sur ce, bisous, gens.